Bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau unboxing. J'ai des colis à vous montrer et honnêtement j'ai trop hâte. Alors je vais faire cette vidéo en plusieurs parties puisque j'attends d'autres colis. Premièrement, dans cette vidéo vous verrez un unboxing du colis de Charlotte Tilbury. C'est la marque elle-même qui m'a envoyé des petits produits et c'est grâce à vous. Oui, c'est grâce à vous. Évidemment, quand j'aurai des doublons, des choses comme ça, vous savez ce qui va se passer, hein, j'espère que vous le savez. Si vous le savez, n'hésitez pas à liker dès maintenant cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc on va découvrir ça ensemble parce que j'avais envie de partager ça avec vous. Et j'ai reçu aussi le colis swap de ma copine Mélanie, Meloana sur Instagram, happytogether17 sur YouTube. Et elle a déjà ouvert ma petite box. En fait, on se fait des box de temps en temps comme ça. Pas forcément tous les mois, mais par moment. Donc pour son anniversaire, fin novembre, je crois que j'ai envoyé fin novembre ou début décembre, je lui ai envoyé sa box anniversaire. Il y avait box notre échange entre nous, plus ses cadeaux d'anniversaire parce que j'avais le Covid et j'ai pas du tout pu venir à son anniversaire et j'étais trop deg. Et du coup, elle m'a envoyé sa petite box. Donc sa vidéo est déjà en ligne, donc je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et moi, je l'ai reçue quelques temps après, vraiment pas beaucoup de temps après. Donc Mélanie, t'as géré grave. En plus, les emballages sont trop canons, donc je voulais vous partager ça aussi aujourd'hui. Potentiellement, logiquement, il y aura aussi un colis avec des articles d'une marque de vêtements en lien avec Harry Potter. Donc je suis trop ravie de collaborer. Vraiment, merci, parce que tout ça c'est grâce à vous. Et en cette fin d'année, je voulais quand même vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez. J'espère vraiment que l'année 2023 va être une très belle année pour vous. J'espère aussi pour moi qu'elle me réserve des nouvelles choses, peut-être un beau voyage, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Mais en tout cas, si ce n'est pas encore fait dans une autre vidéo, je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2023. Plein de bonnes choses et surtout la santé, parce que si on n'a pas la santé, c'est compliqué d'avancer. C'est bien beau d'avoir de l'argent, mais si on n'a pas la santé, ça sert pas à grand chose. Donc vraiment, je vous souhaite la santé pour pouvoir entreprendre tout ce que vous souhaitez en 2023. Sur ce, je vais d'abord ouvrir Charlotte Tilbury. Tu m'en voudras pas, Mélanie, mais j'ai tellement hâte. La marque m'a envoyé du coup un petit colis surprise. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont envoyé. Je vous mettrai évidemment tous les liens des produits dans la barre d'infos. Je sais que j'ai un lien aussi de parrainage qui vous offre moins 20€ sur votre première commande. Donc je vous mets tout dans la barre d'infos, hein, ce qui peut vous intéresser. Donc je... Alors, d'après ce que j'ai compris, elle m'a dit, la responsable PR, qu'elle allait m'envoyer des must-have de la marque. Donc on va pouvoir découvrir. Déjà, je vois un gros pot et je pense, oh oui. C'est la fameuse crème de Charlotte Tilbury. Alors comment elle s'appelle? Charlotte Magic Cream. Et elle est associée avec le sérum. Parce que ça tombe bien, le sérum je l'ai dans ma salle de bain. Donc je vais pouvoir faire un duo, le combo gagnant. Le sérum et la crème. Et là la crème, donc... Oh, c'est marrant, tiens. Dans le pot, ils vous mettent un échantillon. Comme ça au moins, si ça vous convient pas, vous pouvez ne pas ouvrir le gros pot. Et c'est un énorme pot, c'est un pot de combien ça? Donc c'est une crème hydratante instantanée qui est vraiment, il paraît, qui fait un très bel effet sur la peau. Et bon, alors c'est un 50 ml, très beau, hein, quand même, on souligne le packaging de Charlotte. Il a l'air juste énorme, hein, pourtant c'est un 50 ml, mais bah écoutez, je vais me faire la petite routine aussi. Oui, je vous parle tout le temps de routine, mais celle-ci vraiment... C'est une routine qui me faisait énormément envie. Et comme je vous ai dit, j'ai déjà le sérum grâce à ma copine Kika qui me l'avait envoyé dans un petit colis. Donc Kika, Kika et ses passions, je crois, sur YouTube. Ma petite Kika, si tu passes par ici, fais-nous un petit commentaire. Et du coup, je vais pouvoir associer avec le sérum de Kika qu'elle m'a offert. Ensuite, je vois qu'on a le mascara. Et en plus, je crois que c'est pas celui que je connais. Je ne sais plus. J'en connais un. Mais je ne sais plus si c'est celui-ci. En tout cas, il pourrait, en 24 heures, lift effect, donc un effet volume
définition, amplification des cils. Je ne sais plus si c'est celui-ci. Il est beau, hein. Je ne l'avais pas eu en version grande comme ça, mais il est vraiment très très beau. Version black, évidemment. C'est le Pillow Talk Push-Up Lashes. Écoutez, je le testerai ou je le retesterai. Je ne sais plus si je l'avais testé ou pas. Peut-être que je l'avais testé en miniature. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, c'est un mascara must-have dans la marque. Mais non! En fait, on a un autre sérum. C'est pas un sérum. On a un paquet comme ça enveloppé. Trop, trop bien. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le fameux sérum ou c'est un autre? Collagène, superfusion, une huile pour le visage. Donc là, c'est pas du tout... Bah, c'est bien, je vais découvrir des choses, hein. Bah, peut-être qu'une huile, ça pourra m'aider pour mes sécheresses. On va voir. Ouais, c'est ça. Regardez-moi ces packaging. Trop, trop, trop quali. Et donc là, c'est une huile visage, matrice de collagène, extrait de plantes puissantes. Et bah écoutez. Alors, je vais regarder quand est-ce que ça se met. Peut-être le soir, du coup, avant de dormir, une petite huile comme ça à masser sur la peau. Ça peut être pas mal. Très, très bien. J'avais des produits qui me faisaient tellement envie dans la marque. Je vous dis même pas comment. D'ailleurs, celui-ci, je l'avais acheté, je crois que c'était Sephora ou Fil Unique, je ne sais plus. C'est le spray fixateur. Ma copine Lily et Ella en ont parlé et il m'avait donné vraiment envie. Donc, je suis trop, trop contente de l'avoir. Je vais pouvoir glisser l'autre directement dans ma routine parce que je le conservais un peu en mode je vais pas l'utiliser tout de suite. Mais non, mais trop bien, trop bien. Donc, celui-ci, c'est un fixateur de maquillage, hein, pour celles qui ne connaissent pas. Pour fixer votre maquillage, il paraît qu'il est canon pour vraiment bien fixer tout en hydratant un petit peu la peau. Alors, on m'a dit aussi qu'il faisait un peu cet effet... pas collant, mais fixateur, vraiment en mode touc. Mais écoutez, je vais pouvoir maintenant le tester. Ouh, il y a une petite palette que je ne connais pas comme ça. Un petit format de palette, je pense. The Super Nude Easy Eye Palette. Donc en mode palette toute facile à utiliser. Palette miniature pour les yeux. Deux looks mat et satinés, faciles à décliner, qui nous donneront l'allure pour... l'allure d'un super modèle. Ah bah écoutez... Trop bien, trop bien. C'est trop sympa de la part de la marque. Ah ouais, c'est en mode, vous savez, un peu comme les Naked. C'est vraiment en mode basique pour avoir un creux de paupières bien dessiné. Quelques lumineux, mais c'est vraiment pas des lumineux de dingue. C'est sympa, ça je la testerai. D'ailleurs, j'ai une grande palette de la marque Charlotte Tilbury que j'aime énormément. Donc là, je suis contente de tester un petit format. Et on a un crayon contour des lèvres. Alors est-ce que c'est la fameuse teinte? Oui, c'est la fameuse teinte Pillow Talk. Alors moi j'ai pas le rouge à lèvres Pillow Talk. Je l'avais mais je trouvais qu'il me convenait pas. Il était trop mat, il a séché mon contour des lèvres. Mais en crayon comme ça je suis contente parce que je vous avoue que j'avais revendu le petit crayon avec le rouge à lèvres puisque c'était un duo et j'allais pas revendre l'un sans l'autre. Mais je suis très contente d'avoir le crayon parce qu'en fait le crayon je l'aimais beaucoup. Et vous pouvez l'utiliser en... Bah, tout simplement pour faire votre contour et après utiliser un rouge à lèvres qui est pas forcément le Pillow Talk mais que dans les teintes rosées comme ça qui reste une très très belle teinte. C'est juste que moi le côté matifiant ne me convenait pas. Donc je suis trop trop contente d'avoir le Pillow Talk comme ça dans ma petite sélection. Bon, merci à la marque Charlotte Tilbury. Vraiment, je suis trop trop contente. Je vais pouvoir me faire une petite routine et vous en reparler très prochainement. Sachez que moi, j'avais déjà craqué. Je vous avais fait une vidéo unboxing d'une box que j'avais payée, hein, évidemment, qui était autour de 160 euros, je crois, dans mes souvenirs, ou 140 euros. Je vous mets la petite vidéo ici si vous voulez aller voir. Et j'avais été conquise par quasi tous les produits que j'avais reçus dedans. Je les ai toutes mis dans ma routine, je les ai tous adorés. Et j'ai même racheté certains produits. On passe à ma petite Mélanie, donc Meloana ou Happy Together 17. Elle m'a fait un petit colis comme ça qui est quand même bien rempli. Il y a l'air d'avoir des trucs très sympas. Une petite lettre, trop 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 contente. Meilleurs vœux, donc coucou ma Karine, en espérant que cette box, la dernière de l'année 2022, te plaira. Gros bisous et merci pour la tienne, bonne fête de fin d'année. Donc merci ma petite mère, trop contente. Mais il y a pas mal, alors je crois qu'on est censé en faire 5 ou 6 produits à l'intérieur, je ne sais plus. Je vous avoue qu'on fait un peu au feeling du coup à force. Mais alors, un qui est un peu déchiroué. Alors je vais l'ouvrir tout de suite dans le thème de ce mois de décembre. Donc là, je pense que c'est, ça vient de chez Action. Et c'est un gel pour les mains. Yes, trop trop bien. Et bah écoute, le mien il vient de se terminer dans la cuisine. Donc je vais le glisser dans la cuisine, il est trop beau. Alors je sais pas s'il vient de chez Action mais en tout cas, non. Ah celui-là, je vois l'étiquette Nose, il doit venir de chez Nose. Bah chez Action, il y en avait dans ce style-là. Mais trop cool, mais c'est trop bien en plus. Honnêtement, on peut le réutiliser et je le garderai pour l'année prochaine pour le ressortir au moment des fêtes. Donc, très très bonne idée.
Alors moi pour le mois de novembre, j'ai pas fait de thème de Noël. Hein. J'ai mis pour son anniversaire surtout plein de choses qui me faisaient penser à elle. Pour tes loulous, petit mec. Alors là, c'est un format d'un livre. Oh, trop bien! Panda, Père Noël ou Panda Noël. Ça, c'est trop bien. Bah, ils sont toujours fans des pandas comme Mélanie. Alors, je sais pas si Mélanie, maintenant, elle a un petit peu passé sa face panda. Mais trop bien. Il est trop beau comme livre. Trop sympa. Mais écoute, alors aux éditions collection Espoir en Cannes, je pense. Et aux éditions, je pense, Mika. Pour celles que ça intéresse. Trop bien. On va prendre un gros là, comme ça, qui m'intrigue. Et là, il y a écrit « En tant qu'instit peut-être utile ». Un gros format, j'adore le papier d'ailleurs, hein. C'est une fan de Stitch, ma petite Mélanie. Là, il est trop trop beau ce papier là. J'ai jamais vu ça ailleurs, donc je sais pas. Là, comme ça, peut-être de la papeterie ou un classeur. Ah, je suis pas loin. Ouh, trop beau. Mais non, ah bah oui, c'est un Stitch ou pas un Stitch, trop bien. Mais c'est trop bien ce qu'elle a trouvé. Où est-ce que t'as trouvé ça, ma petite Mel? Alors, les anneaux ont un peu. Ah oui, ils se sont un peu ouverts pendant, je pense, le voyage. Il y a à l'intérieur les intercalaires aux couleurs des maisons, quoi. Regardez! Avec, évidemment, toutes les maisons. Et ça se répète hein, deux fois. Du coup, vous avez deux fois les maisons. Donc là, il faut que je remette les intercalaires parce qu'ils se sont un peu fait la malle. Mais il est canon! Et l'extérieur, là, simple et beau. Donc, on dirait que ça vient de Primark, tiens. Bah, écoute, trop contente. Merci, j'adore. J'adore, il est simple, mais tellement beau. Donc, il va me servir, c'est évident. Un de plus. Ah, ça c'est pour ma collection de DVD Disney, parce que c'est un peu à cause d'elle ou grâce à elle que je fais la collection des DVD Disney. Donc trop bien. Alors quel est celui-ci? Ah ouais, je l'ai pas. En plus, je crois que je l'ai jamais vu celui-ci. C'est le voyage d'Arlo avec des dinosaures. Eh ben écoute, tu nous as refait. Je pense qu'avec les enfants demain, on va le regarder tranquillement avec des pop-corn parce que ça parle de dinosaures, donc ils vont adorer. Et moi, je l'ai jamais vu. Donc trop contente. Allez, on va faire un petit rouge. Pas encore vu passer dans tes mains ou offert par une de tes abonnées, j'ai pensé à toi. Ah non, ça je les ai achetés. Je pense, c'est chez Action. C'est... Ouais, si. Ouais, je les ai achetés, mais c'est vrai que je les ai pas montrés sur Insta ni sur YouTube. Mais c'est pas grave parce que j'en ai mis dans ma classe. En fait, je les ai achetés, je les ai mis dans ma classe. Et j'en ai acheté un autre, il y en avait deux de Harry Potter. Et l'autre, je l'ai aussi à la maison. Et Friends, donc c'est des stickers que vous avez, qui étaient chez Action à un moment donné, qui coûtaient genre 79 centimes. J'en avais acheté plusieurs, comme ça j'en ai mis dans ma classe en réserve pour mettre dans la boîte à cadeaux. Et j'en ai acheté pour ma fille aussi, et mais du coup j'en ai pour moi aussi, donc trop bien. Donc ça, bah ouais, c'est pas grave, c'est un doublon, mais alors là c'est pas grave du tout. Je me suis dit que l'idée te plairait. Alors là... Pas d'idée du tout là, en touchant comme ça, pas d'idée. La papeterie, qu'est-ce que c'est? Ah ouais! Mais c'est trop bien! Des essuie-tout absorbe towel réutilisables et absorbe 15 fois. Effectivement, tu vois, j'aurais dû avoir ça tout à l'heure sous la main parce que mes enfants ont renversé un verre d'eau partout sur la table. Et bah, il paraît que ça peut... ça peut prendre 15 fois son poids en eau. Bah dis donc, c'est hyper intéressant ça, de la marque Keto Design, je sais pas si vous connaissez, et ça se lave en machine et puis vous réutilisez ça, c'est trop bien, comme des sortes d'éponges fines, je sais pas comment on appelle ça. Bah écoute, ouais, super idée, parce que là tu me fais découvrir quelque chose que je n'avais pas à la maison, que je ne connaissais pas spécialement, et en plus là en mode ça se lave à la machine, ça se réutilise et tout. Pour ta loulou, donc du coup un livre pour ma fille, est-ce que ça serait pas des princesses ou... Ah non. Ah, des cartes à gratter. Alors ça, c'est top, mais c'est la malédiction, ces trucs-là. Elle va être ravie, elle. Hein. Des cartes à gratter comme ça, avec des petites têtes de jeunes filles, de princesses et tout. Trop bien. Des petites princesses, quoi. Mais alors, elle en met partout sur la table. Ça met des miettes noires partout. On adore. Donc, mais elle est ravie. Elle va être trop contente. Donc, je t'enverrai des petites photos quand ce sera réalisé. Ou je partagerai ça sur Instagram, évidemment. Mais trop bien. Et le dernier gros cadeau. Mais pour l'instant, cette box est canon, comme d'hab. Hein. Je rappelle que c'est une box petit prix où on trouve des petites choses pour l'une ou pour l'autre. Et puis, on se les envoie à un moment donné. Que serait une box sans gourmandise? Alors, des gourmandises aussi grosses, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être d'aussi gros en gourmandise? Des chocolats? Des chocolats, bah ouais. Ah, attention, alors,
Il y en a pour 20 ans. Donc c'est du chocolat, mais du chocolat en poudre. C'est trop bien, c'est trop bien. Je sais pas du tout où elle a eu ça. Donc on a plein de chocolats en poudre différents en fait, avec différents goûts. Donc cookies and cream, banoffee pie, donc tarte à la banane je pense. Black Forest gâteau. Bah, disons ça doit faire des goûts particuliers quand même. Brownies, hazelnut. Donc on a plein de goûts à l'intérieur. J'avais une élève l'année dernière qui m'avait offert un truc de ce style avec des chocolats et tout ça aussi différents. Donc trop bien. Bon ma petite Mel, ces cadeaux sont juste trop bien, trop canon, trop top. Il n'y a rien à dire de plus. Je vous laisse avec la suite de la vidéo si il y a une partie 2 à cette vidéo. Sinon, on n'hésite pas à liker cette vidéo, à s'abonner, à me retrouver sur Instagram pour peut-être potentiellement des petites actualités et surtout des beaux concours pour 2023. Je pense que je vais vous en préparer pas mal du tout. D'ailleurs, dans une de mes dernières vidéos, il y a un concours avec une palette Palmer Grass à gagner. Je vous la mets ici si ce n'est pas fait et que vous ne l'avez pas vu. Hello, je vous retrouve quelques jours après la grippe. Donc je suis pas encore au top de ma forme avec une voix super forte. Je suis désolée, montez le son. Je vous retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo unboxing. J'ai reçu des petites choses que je voulais aussi vous présenter dans cette vidéo. Des produits de chez Harry Potter avec la fameuse marque Hummel. J'ai d'abord reçu une paire de baskets de la marque donc Hummel Fit Harry Potter et honnêtement elles sont trop belles. Donc la boîte est comme ceci, donc je l'ai pris pour mon fils en version serpentard, elles sont canons. Je vous mettrai le site Hummel dans la barre d'infos puisqu'il y a une nouvelle collection comme ça qui est sortie avec Harry Potter et je trouve que c'est une collection qui est un peu différente de ce qu'on voit d'habitude et bah là je vais pouvoir voir la qualité déjà des produits en eux-mêmes, mais déjà les baskets elles sont canons. Les prix restent raisonnables pour des produits avec la marque Harry Potter et les voici, donc mon fils les a choisis hein. Je lui ai demandé de regarder un petit peu sur le site et tout et elles sont trop sympas, donc c'est du serpentard mais sans être non plus que serpentard. Ici évidemment vous voyez le logo et Harry Potter, et alors ce que j'ai bien aimé c'est cet effet là. Vous avez vu ou pas? C'était fait un peu croco. Il y a différents types de matières. C'est un verre un peu flashouille. Et alors là, vous avez au niveau des languettes là, le fameux Hogwarts ici. Elles sont très quali. Donc on les a pris en taille 33. Et j'ai hâte que mon fils les essaie pour voir ce que ça donne. Elles sont vraiment très jolies et très quali. Au niveau de la qualité, ça a l'air dingue. Je suis trop contente, en tout cas. Mon fils, je lui ai acheté un pull vert un peu dans cette tente-là, exprès, pour pouvoir les mettre avec. Donc, je suis trop contente. Je voulais remercier d'ailleurs la marque Hummel hein, qui m'a envoyé les produits gratuitement. Ils m'ont invité à leur petite boutique éphémère à Paris, mais je pouvais pas du tout y aller. Du coup, ils m'ont proposé de me partager quelques petits trucs... m'envoyer quelques petites choses. Je suis pas du tout obligée de vous en parler, moi j'ai envie de partager ça avec vous si ça vous intéresse, si vos enfants sont fans, si vous voulez leur offrir un petit cadeau comme ça qui est un peu différent, et sachant que la marque Hummel est une marque quand même de qualité. Je vous mets donc tout ce qu'il faut dans la barre d'infos et puis je vous montrerai peut-être les looks de mes enfants sur Insta. Ils sont trop adorables parce qu'ils ont pensé à tous mes enfants et ils ont mis même des petites chaussettes comme ça, donc en taille je crois que c'est pour mon petit dernier ça, ouais. C'est du 24-27, donc ça pourrait être pour Kezia, je pense que même pour Oran. Hein. Vous avez donc les fameuses chaussettes avec les maisons différentes. Ouais, elles sont trop jolies. Elles sont super épaisses. Je suis étonnée de la qualité, quoi. Elles sont super épaisses, très quali. Donc on a les Serpentards, les Gryffondors et là, Harry Potter avec les 4 maisons. Et je vous jure que là, cet hiver, il va pas avoir froid avec ça. Donc c'est censé être pour mon petit Kezia, mais je pense que Oran va vouloir les prendre aussi. On va voir, ils vont choisir, mais en tout cas c'est censé être pour mon petit dernier, donc comme ça tout le monde aura son petit truc Harry Potter. Un petit t-shirt comme ceci, donc toujours de la marque donc Hummel. Ça c'est donc pour mon fils, le deuxième Oran, hein. C'est un petit t-shirt en taille 6 ans, 6-7 ans, il est super bien. Je vous jure que vraiment, j'ai acheté un t-shirt quasi le même style chez H&M pour lui et c'est pas du tout la même qualité. Pas du tout la même qualité. Là, on voit vraiment que c'est de la top qualité. La matière est très douce. Rien à voir, la qualité du tissu là est fantastique. Un petit t-shirt et ma fille, c'est un petit pyjama rose comme ça avec hauteur. Elle va être fan. Il y avait des ensembles de jogging, il y avait une collection vraiment trop belle. Ah ouais, le pyjama il est canon.
Les canons, regardez ça. Oh, magnifique. Magnifique. Donc, manche longue. Il est un petit peu court au niveau du t-shirt, là, mais bon. Avec écrit Wingardium Leviosa, il est trop trop beau. Donc c'est en 12 ans. On a pris grand pour elle parce qu'elle est super grande. Et le pantalon, il est comme ça, vous savez, un peu avec ces fameuses lanières là, à la Victoria's Secret un peu. Et il est tout écrit Wingardium Leviosa. Et il est resserré au niveau du bas. Ça, je pense qu'elle va adorer. Je vais lui montrer tout de suite, mais je suis sûre qu'elle va adorer. Et la qualité du tissu est vraiment sympa. Vraiment, je suis fan des articles. Et le dernier article que la marque email m'a envoyé, c'est un sac à dos que je voulais absolument pour ma classe du dehors, parce que je me suis dit que ça correspondait trop à la classe du dehors. Il est ma classe Harry Potter, il est hyper bien parce qu'il y a des petites trousses sur le côté pour mettre les gourdes et tout ça ici. Donc je trouve ça très sympa, il y en a de chaque côté. Une petite poche devant, il est sobre mais très bien. Des lanières ici pour le tenir, il est sac à dos. Il est pas mal du tout, le format me disait bien, il a l'air assez grand, mais pas trop grand non plus, pour mettre la trousse de secours, etc. pour la classe du dehors. À l'intérieur, il a une petite pochette ici, et puis de toute façon, si il me sert pas pour ma classe du secours, ma classe du dehors, il servira à ma fille, je pense, mais en tout cas, je le trouvais trop classe, pareil, très sympa, et puis est-ce que je l'emmènerai sûrement en classe de neige, ouais, je pense. Voilà, trop contente du colis de la marque Humel, merci à la marque Humel. Et pour finir, j'ai reçu un colis de la marque Respire. Donc c'est moi qui ai passé commande, mais ils m'ont offert une carte cadeau pour pouvoir commander ce que je veux dessus. Avec ma commande, j'ai reçu déjà un petit parfum, un bon parfumeur, comme ça c'était gratuit au bout de, je crois, 40€ d'achat. Donc c'est le 701 Eucalyptus Coriandre Cypre. Mais du coup ça, je vais voir l'odeur, sinon je laisserai à mon mari. Donc de la marque Respire, j'avais envie de tester leur huile démaquillante comme ça, qui a l'huile de tournesol bio, l'huile de ricin, l'huile de pépin de raisin et l'huile d'amande douce. Écoutez, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, mais je vais pouvoir vous en reparler prochainement. J'avais envie de tester les fameux dentifrices. Donc j'en ai pris un lot de deux, c'était pas très cher le lot de deux. Et il y a fraîcheur intense et blancheur naturelle, donc un au charbon et un à la menthe. Ça, j'ai hâte de tester pour voir ce que ça vaut, si ça a bon goût, si c'est agréable à utiliser ou pas, parce que moi je suis compliquée. Et j'ai pris 3 déodorants, donc leur fameux déo stick que vous connaissez sûrement, hein, qui sont très connus, et leur nouvelle version avec une petite bille. Je crois que c'est ça, hein, il y a une petite bille. Donc, parce que ceux-là, je sais que les packagings ne sont pas extrêmement bien. Ouais, et celui-là, il y a la petite bille là, comme ça. Ça sent bon. Alors j'ai pris les odeurs basiques, hein, déodorant naturel thé vert. Là aussi du coup c'est thé vert je pense. Non, celui-ci c'est pomme granate et celui-ci c'est fleur de coton. Donc écoutez, je testerai, mais je vous en reparlerai sur Instagram je pense de cette marque, dans mes utilisations dans le quotidien pour savoir ce que ça vaut. Je sais en tout cas que ces déos là j'ai déjà utilisé en miniature et j'ai trouvé très efficace sur moi. Du coup il m'avait réconcilié avec les déos bio, etc. vegan. Donc c'est pour ça que j'avais envie de tester la version bi. Et puis j'avais envie de tester d'autres choses sur leur site. Bon voilà, je vous laisse avec ma voix malade et ma voix de fatiguée. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que cette vidéo en deux parties vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve évidemment sur Instagram plus en forme et dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Salut.